Hello, coucou. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler des mots qu'on emploie. Très souvent, j'entends les gens employer des expressions comme Oh là là, c'est une tuerie ce gâteau. Ou alors Je vais mourir de plaisir. Et à chaque fois, il y a petite lumière qui s'allume à l'intérieur de moi et me dit, mais pourquoi? Pourquoi employer des mots négatifs? Est-ce que quand on s'intéresse un petit peu à la loi d'attraction, on sait que la pensée est créatrice, la parole est créatrice et que donc la qualité des mots qu'on emploie est importante. Aussi, si j'ai un gâteau en face de moi et que je me dis qu'il est bon à se damner, que c'est une tuerie, effectivement, au moment où je vais le manger. Peut-être qu'à l'intérieur, ça peut faire un effet un petit peu dévastateur. Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus parce que les effets de mode font qu'on ne prête pas attention au langage. Et pourtant, les mots sont vraiment magiques. Et la qualité que vous mettez dans les mots et l'énergie que vous placez dans les mots que vous employez est vraiment importante. La deuxième chose à laquelle sur laquelle je souhaitais attirer votre attention, c'est évidemment aux symboles que l'on peut inscrire un petit peu partout. Et donc, j'avais lu il y a quelque temps un livre sur le Feng Shui, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et la personne qui écrivait ce livre disait, bah, par exemple, pour un paillasson, on a parfois envie d'avoir un paillasson avec un joli dessin, quelque chose qui nous inspire. Et si, par exemple, on écrit Welcome, ou si on a envie de mettre Sérénité dessus, ou de mettre un animal qui nous est cher, eh bien en fait, on ne va pas le mettre sur un paillasson, parce qu'il faut garder à l'esprit que le paillasson, c'est ce sur quoi on essuie nos pieds, et c'est ce qui va conserver toutes les mauvaises énergies, toutes les mauvaises poussières et les microbes de l'extérieur. Alors si je n'ai pas envie de mettre une énergie négative dans ma maison, je vais éviter d'y inscrire le mot sérénité sur le paillasson. En réfléchissant à ça, je me suis dit qu'on pouvait aller encore plus loin, et notamment, moi j'avoue que j'ai une passion pour les têtes de mort. Alors pas la tête de mort forcément morbide, mais j'aime beaucoup les têtes de mort mexicaines avec plein de fleurs, etc. Parce que je trouve que c'est un symbole extrêmement joyeux de la mort. Cependant, c'est vrai que de fil en aiguille, il peut m'arriver parfois, il me pouvait m'arriver parfois de glisser sur de la tête de mort un peu à la pirate, corsaire, ce qui va bien aussi avec mon caractère. Et puis je me suis rendu compte que peut-être mettre une tête de mort sur un cahier de rendez-vous, c'était pas forcément très florissant pour mon activité professionnelle, que peut-être arborer un t-shirt avec une tête de mort, c'était pas forcément la meilleure énergie pour moi. Alors, je suis plus consciente par rapport aux différents objets ou par rapport aux différentes décorations que je peux mettre, notamment tout ce qui va comporter des phrases. Je vais vraiment faire le lien entre l'usage de l'objet, le message du dessin ou de la phrase, et l'intention réelle du type d'énergie que je veux mettre dans ma vie. Ça, c'est important. Et enfin, il y a un dernier point, et ça, c'est quelque chose que j'aborde régulièrement pendant les soins, c'est le tatouage. Alors, le tatouage, j'ai absolument rien contre. Alors, je sais que les gens qui sont partisans, de la médecine traditionnelle chinoise sont plutôt contre parce que on injecte quelque chose dans le corps. Personnellement, ça ne me dérange pas. Les encres aujourd'hui sont de bonne qualité. Et puis, le tatouage a toujours fait partie, de nos traditions tribales. Par contre, là où j'ai plus de difficultés avec le tatouage, c'est en fonction des dessins qu'on choisit. Alors, je vous parlais de la tête de mort. Évidemment, un tatouage en tête de mort, ça me poserait un léger problème d'en porter un, et en tout cas quand j'en vois un sur quelqu'un, ça me met pas très à l'aise. D'autant plus qu'un tatouage c'est quand même assez irréversible. Mais il y a autre chose
qui me dérange beaucoup dans les tatouages. Ce sont les tatouages, par exemple, avec des flèches. Et l'autre jour, j'ai une personne qui est venue me consulter, qui, en fait, ça m'est arrivé même plusieurs fois, mais en tout cas, ça m'a vraiment marqué. Donc, une personne qui se sentait pas très bien dans sa vie et qui avait vraiment des douleurs là, ici, sur le sternum, à cet endroit-là. Et puis, médicalement, il n'y avait rien. Au niveau énergétique, pas vraiment grand-chose. Il y avait juste une chose. Elle s'était tatouée ici sur le bras une flèche qui montait comme ça vers l'intérieur. Et donc, la flèche, en fait, elle tapait. La pointe de la flèche tapait vraiment dans la direction du sternum. Et c'était un lien évident pour moi que ce dessin-là avait un réel effet sur le corps de la personne qui le portait. Alors, toujours en se rapprochant du feng shui, dans le feng shui, on parle beaucoup des flèches, des ondes de forme, et notamment de tout ce qui pourrait nuire à l'harmonie de la maison. Sachez que votre corps n'est pas différent d'une maison. Si une flèche nuit à l'harmonie de la maison et donc a une influence sur vous, dites-vous bien que n'importe quel dessin de flèche sur votre corps peut avoir la même chose. Alors, je vous invite vraiment à être extrêmement vigilant, vous qui venez à moi pour du mieux-être. Soyez acteur et soyez responsable de ce mieux-être aussi, en étant pleinement conscient de l'implication de tous les petits actes symboliques que vous faites dans la vie. Le choix d'un schéma, le choix d'un tatouage, le choix d'une décoration et également le choix des mots que vous employez. Voilà. Je vous souhaite un très agréable mois d'août. Je vous dis à très bientôt. On se donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles vidéos. Ciao!